Salut les amis, je suis au Cambodge, en plein cœur du site extraordinaire, les temples d'Angkor. Je me trouve sur le site de Phraya Khan. Alors Phraya Khan, comme tu peux le voir derrière moi, c'est pas forcément le plus visité, c'en est un à tomber par terre. On est juste à côté de Angkor Wat, que bien sûr tu connais, on a tous des images d'Angkor Wat, c'est pour ça qu'on vient visiter le Cambodge d'ailleurs, c'est l'emblème du Cambodge, le temple d'Angkor Wat. Je t'y emmène dans deux secondes. Je t'emmène aussi voir le Bayon, Tap Rom, les temples mythiques du coin. Et crois-moi, il y en a un paquet, parce qu'il y en a plus de 287 dans la région, mais on va voir les plus beaux, les plus reculés, les plus originaux et les plus atypiques. Je te prépare un parcours de grand malade. Il est 5h du matin, je m'apprête à vivre, je pense, la claque de cette aventure cambodgienne, le lever de soleil sur le temple d'Angkor Wat. Je trouvais ça joli, vraiment, mais bon, voilà, j'avais pas mesuré à quel point, en fait, on est saisi par l'émotion au moment où on arrive. Bon les amis, je viens de me prendre ma claque. Je suis arrivée au temple de Tap Rom et c'est indescriptible. Ça me donne des frissons. Il est 7h du matin. J'ai la chance d'être arrivée hyper tôt. Il y a un côté mystique. La nature a complètement repris ses droits dans ce temple. En fait, il y a des vieilles pierres de partout, c'est magnifique. Et tout le site est comme ça, des vieilles pierres autour des temples avec de la mousse. Il y a des lianes, c'est magnifique. Moi, j'adore le tuk-tuk, c'est vraiment le moyen de circuler ici qui est le plus typique, le plus sympa. Donc ça sert à rien de prendre une voiture, en fait. Là, c'est super, tu vois, tu respires, tu vois les animaux, t'es à l'air libre. Non mais c'est barge. C'est des têtes géantes qui jaillissent en fait du temple. C'est un truc de barge. En fait, ce qui est incroyable à Angkor, c'est que sur un espace aussi rapproché, chaque temple est complètement différent. C'est sidérant. Tu te dis, mais comment ils ont fait pour construire des temples aussi rapprochés à la même période, avec chacun une identité aussi différente? C'est incroyable. Je suis estomaquée. Siem Reap, c'est la ville qui est juste à côté, donc si tu as décidé de visiter les temples, c'est forcément là que tu vas loger. C'est là qu'il y a tous les hôtels, tous les restaurants, tous les bars, mais aussi c'est là que tu as la circulation de grands malades, tu as tous les tuk-tuks, les vélos, les scooters, les motos, les cars, les voitures, les piétons, tout ça dans un joyeux bordel. Et en même temps, bah, c'est ce qui donne un charme de dingue à cette ville, c'est assez incroyable. Si, il y a un code de la route, il y a une règle à respecter. La règle, le plus grand a toujours raison. J'adore
Siem Reap. J'ai aimé dès que j'ai mis les pieds à Siem Reap. C'est une ville incroyable. C'est une ville qui est dynamique, c'est une ville qui est vivante. La rivière, elle est trop belle. Il y a des vendeurs de nourriture partout. Tu peux manger à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et il y a un truc que j'adore à Siem Reap aussi, c'est que tu as des vieux bâtiments trop beaux un peu partout dans la ville, tu vois. Là, je marche et voilà, bah derrière moi, t'as un vieux bâtiment qui a été transformé en hôtel. Et c'est comme ça dans toute la ville, en fait, t'as que ça. C'est super joli. Oh là là, mais c'est trop mignon, c'est un truc de ouf. Je suis là en train de marcher sur la rivière, en fait. Regarde-moi ça, la bébé tortue. Une bébé tortue. En fait, il y a tout ce qu'on aime d'une grande ville d'Asie. Si vous connaissez, je sais pas, Ubud ou la Thaïlande, ben voilà, c'est pareil, ça respire une ville d'Asie. T'as plu, ben n'hésite pas à me mettre un petit pouce vers le haut, abonne-toi à ma chaîne, abonne-toi et à très vite.